Attention, il y a un radar. Faut que tu sois à 48. Et donc ouais, on a su ça. Moi, on va dire que j'ai fait confiance à la police française. D'ailleurs, ce qui m'a dégoûté dans cette, ce qui m'a, on va dire, dégoûté, mais vraiment, j'étais pas bien après. Bon, ça se voyait peut-être pas. C'est quand le flic, le civil, le Ahmed, je crois que c'était. Enfin, je suis désolé si j'ai corps. Si j'écorge le nom, c'est Ahmed. Abattu. Et on égorge pas. Putain, non, c'est pas le nom. Attends, je voudrais t'expliquer. C'est pas le nom que t'as égorgé, c'est le mot. Oui, bon, on s'en fout. Tu vas où? Putain. Mais tu vas où? J'ai un pet de cerveau. Fais gaffe, on voit pas ta grille de feu. Vas-y, vas-y. Y'a pas de soucis. T'as de la chance, je suis pas encore flic. Mais non, mais je suis à 28 000 là, mec. Oh merde, je suis encore entré dans toi. Je suis à 28 000. Bon, là c'était pas le freeze, hein, je vous l'avoue. C'est pas l'heure pour conduire. Bon, c'est pas grave. C'est pas l'heure de conduire. Non, mais moi je suis trop habitué à la France. Attends, il faut être indulgent aussi. Attends. Mais vas-y. Mais non, tout qui est renversé ici. Mais si. Bon, ça va, j'ai pas eu de. YOLO. YOLO. Vous avez vu comment je conduis? Ouais, ouais, on a vu. Comptez ouais. Pas sur moi pour conduire en bus. Oh non, putain. Un feu rouge, je pense que ça va. Bon, enfin bref. Et on va à gauche là? C'est vrai, je vois même pas le feu. Vas-y, roule. C'est vert. Ah, c'est bon. Ah non, ici ça fait rouge, orange, vert, ouais. Rouge. Ouais. Mais c'est le monde à l'envers, on va bientôt voler. Non. On va se faire greffer des ailes sur les camions. Arrête, ils ont été solidaires avec nous. Bon, enfin bref. Et où les Américains? Les Anglais, les deux. Il y en a qui ont fait des manifestations. T'es sérieux? Quoi? Non, mais ils sont... ma gueule là. Quoi? Il faut se mettre dans l'autre sens. Ah oui. Bon, ben vous savez quoi? Je fais un petit passage en solo et en gros j'aurai fini ma mission. Ok. Voilà, donc sur ce. Bah, en fait, donc lui il va quitter, on va dire, parce qu'il arrive pas bien à se stationner. Il quitte en fait le solo. Bon, t'es toujours en vocal? Oui, je suis toujours en vocal. Voilà. Enfin, je pense pas pour très longtemps, mais ça devrait aller. Voilà. Donc il le fait en solo parce qu'il arrive pas bien à se garer. Vous savez, en solo oui, on peut plus sortir. J'ai merde pour se garer. Brancher, enfin, bref, voilà. Après, tu reviens sur le multi, hein? Ouais. Enfin, bref. Et donc, du coup. Donc ce qui m'a plus choqué, donc c'est ce flic qui n'a strictement rien fait, qui a été abattu froidement par ces, on va dire, terroristes entre les guillemets. Ah oui, hein, c'est le mot. Parce que, hey, je voudrais faire remarquer, ils disent agir pour l'islam, mais c'est pas du tout ça. Oui, oui, on a eu plein de cours dessus le lendemain. Enfin bref, voilà. Ouais, et espagnole qui elle-même était une fan de Cabu. Voilà. Enfin bref, c'est assez horrible. Et aussi, ce qui m'a le plus écœuré, c'est Cabu. Je le connais, je connaissais pas forcément la série qui faisait hebdomadaire. Mais après, la regardant près, on va dire que c'était effectivement extrêmement comique. Et c'est ce qu'ils avaient de plus fort chez eux, c'est qu'ils pouvaient faire passer justement du premier au second degré leur truc. Malheureusement, ça a pas plu à certains. Et alors que, il faut le prendre au second degré. C'est franchement. Quand t'as une hebdomadaire, un truc humoristique, quand tu vois déjà les BD ça fait penser à quoi? À l'humour. Voilà. Il faut que tu prennes ça au second degré, enfin, c'est mon opinion. Mais se faire décapiter, c'est un grand mot, mais. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ouais, voilà. Se faire décapiter rien que pour ça, mais c'est horrible. Pourquoi? Oui, donc moi j'ai parce eu un que, bug là. J'ai bugué tout seul. Ils pensaient que en fait ils dérangeaient leur religion. Alors après, je sais pas si c'est leur religion, enfin j'ai pas peut-être trop compris. Oui, je crois que l'image c'est un truc qui. Je crois que c'est Mahomet qui parle. Oui, enfin de... on va pas parler de la religion parce que sinon on va avoir de sérieux soucis. Oui non, je dis l'image là. Oui bien sûr, enfin voilà. On critique pas votre religion, il n'y a pas de soucis. Chacun est libre d'avoir une religion ou pas et d'avoir un certain type de. Enfin bref. Et voilà. Ce que je trouve tout le monde dans le courant, tout le monde fait sa vie. Voilà. Ce n'est pas censé
J'ai sur la nôtre. Charlie Hebdo. Mais non, à mais mon moi, avis, il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour critiquer. Alors peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils ont été menacés. Je suis d'accord, mais ils sont pas faits pour critiquer. Ils sont faits pour faire rigoler les gens, pour faire de l'humour sur peut-être une religion, d'accord, mais pas pour la critiquer. Parce que personnellement, ils la critiquent pas. Ils veulent faire de l'humour pour faire rigoler les gens. Parce que pourquoi? Parce que les gens sont stressés, on va dire. Et ils aiment ça. Et ils aiment rigoler. C'est un moment de détente. Religieux d'une religion ou une autre. Ils ont bien rigolé, ils ont bien fait de l'humour sur, par exemple, les Français. Y a pas de soucis. Enfin, j'en sais rien, ça. Mais je ne lis pas. M'étonne. Enfin, bref. Alors, je vais vous prendre la capture d'écran du truc, là. F12, voilà. Le truc le plus... le plus chiant du monde. Voilà. Récompense de base. Quoi? Bon, Dragon Fire a fait une petite éclipse, hein, vous inquiétez pas. Enfin bref, et voilà, donc je continue sur ma critique, enfin ma critique. Oui, deux secondes. Mon hypothèse. Ouais. Je fais juste un truc. Enfin, et je trouve ça ridicule de tuer des gens pour ça. On peut par exemple, je sais pas, envoyer une lettre en disant Monsieur Charles. Vos expressions ne sont peut-être pas trop adaptées, est-ce que vous pourriez les rectifier pour pouvoir, faire un meilleur humour, mais pas par exemple sur les religions. Ça peut, on peut avoir une lettre de principe en disant, voilà... Je précise donc qu'ils ont déjà reçu des menaces précédemment. Oui, mais c'est pas la menace, enfin... C'est par rapport à, oui. À l'ouverture qu'ils prennent. Mais bon, c'était leur but de prendre ça et... Moi je pense... qu'il est mieux d'être un peu plus gentil, de dire voilà, excusez-moi, mais votre humour, comme c'est ma religion, je trouve qu'elle est pas, qu'elle est un peu critiquante. Est-ce que vous pourriez, par exemple, parler soit d'une autre religion, soit de la modifier, mais pas pour que ça soit une critique, que ce soit humoristique après, peut-être, mais pas une critique. Mais après. Je voudrais te dire, déjà, alors bon, je ne ferai pas avocat plus tard, ça je veux le dire. Donc, en agissant dans leur sens, déjà, t'es pas sûr d'avoir une réponse t'es pas sûr d'avoir la réponse oui, parce que eux, ils font un peu. S'ils vont dans ce domaine, c'est parce qu'ils ont pas peur d'y aller, donc ils vont continuer. Oui. C'est voilà. Là, ils sont morts. Enfin, je parle de Charlie Hebdo, je suis contre ce qu'ils ont fait, évidemment. Enfin, oh mon dieu, je ne suis pas contre ce qu'a fait Charlie Hebdo, au contraire. Je suis contre ce que fait des terroristes. Oui, je suis fatigué, excusez-moi. Et aussi, ils n'ont pas forcément pensé à ça. Et puis, je pense pas que c'était leur envie de parlementer. Enfin voilà, bref. Je vais lire mes emails. Hein. Salut. Enfin bref. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est Kabu. Kabu, rien qu'en voyant ce visage, tu te dis. Il est gentil, il sera sympathique, il fera aucun mal, même pas une mouche. Non. Regarde. T'es sérieux? Non mais je. Non mais ce qui me pause. Fait. Pause. Enfin j'ai pas compris ce que t'as dit. C'est vraiment. Oui. Votre compte bancaire est déficitaire. Veuillez le renflouer dans les 3 jours qui viennent où nous vous serons dans l'obligation de vous saisir de vos biens. De saisir vos biens. Cordialement votre conseiller bancaire banque. Ah bon. Bon, ce qu'on m'a dit pour l'emploi était collant. Et ben là, c'est encore pire. Enfin bref, donc je disais donc Kabu, rien que voyant son sourire, enfin le tuer, ça m'a vraiment fait un choc dans ma tête parce que rien qu'en voyant comment il, excuse-moi mais il regardait, non mais comment il regardait la vie, comment il était sympathique, il ferait même pas mal à une mouche, comment il est serviable, enfin comment il pouvait être trop sympathique pour être tué. Bref, il a, peut même pas faire mal à une mouche. Il peut même pas être méchant. C'est un type qui est vraiment trop sympathique. Je vais être d'ouvert. Et ça m'a fait vraiment très très mal, on va dire. Bref, qu'il soit tué. Je peux même pas l'imaginer, mais enfin bref. C'est le policier et Kabu qui m'ont, on va dire, un petit peu traumatisé pendant ces quelques jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura. Qu'il n'y avait pas d'autres vidéos ce week-end. En raison bien évidemment du deuil. Hein. Enfin bref. Ça m'a traumatisé. Et franchement, je.
Ouais, d'accord. J'étais mal. Enfin bref. Voilà, je souhaite mes condoléances, hein, bien évidemment, aux familles des victimes. Hein. Nous sommes tous avec vous, nous sommes tous Charlie. Hashtag nous sommes tous Charlie, nous sommes Charlie. Enfin bref. Donc on va parler du deuxième jour, Dragon Fire Tournament 2. Moi, ce qui fait encore une petite ellipse, hein, c'est possible. Dragon Fire. Oh, oui, je suis là, frère. Ouais. T'es sur le multi là? Moi, tu sais quoi, je vais rester libre comme l'air. Hein. Ils vont se saisir de mon Volvo, c'est pas grave. Okay. La police. Non, faut pas dire ça, surtout faut pas dire ça. Non, mais pas. Excusez-moi, les circonstances ne le permettent pas. C'est pas dans ce sens, enfin bref. Non, voilà. Mais en fait, il faut que vous regardez l'ermite moderne et vous comprendrez. Bon, enfin bref. Fox Speaker, voilà, je fais un peu de pub, hein. Allez voir sur leur chaîne, ils font des trucs super bien. Personnellement, si vous aimez la musique, vous pouvez y aller. Bon, alors, where are you? Donc, ensuite. Le deuxième, t'es où là? Du coup, t'es sur le multi là? Oui, je suis sur le multi avec 8 as devant moi. Ah oui, exact. On va faire un petit tour chez le réparateur, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, si tu veux, c'est bon. Non, surtout pour moi. Ah, mais il faudrait que je. Ah là, c'est bien. Allez, on y va. Alors, donc, c'est parti. Viens, tu me suis, ok? Ok. Allez, donc le deuxième jour, les recherches ont été faites. Alors moi, je craignais, ça commençait déjà à parler. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup la radio, surtout le soir avant de. Non, mais infraction de contresens, tu peux pas me laisser tourner 2 secondes, saleté de jeu. Oh, il faut pas le critiquer. Attention, t'as un véhicule qui arrive à fond la caisse. Attends, le feu, bon. Il était rouge. Oh, c'est pas grave. Le feu était rouge, j'ai pas eu d'infraction. T'es sérieux? Attention, priorité. Enfin bref, et bon, moi je commençais un peu à flipper, hein, on peut le dire. J'ai vu d'ailleurs l'énorme rassemblement qu'il y a eu, 100 000 personnes au total, ce qui est vraiment pas mal du tout, pour une manifestation improvisée. Alors je parle pas d'aujourd'hui, d'hier je veux dire, et d'aujourd'hui après, parce que je ne sais pas encore comment on tourne avant. Je sais pas. Non. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Merde. Il y a un problème? Mais non, mais où je suis moi? Où je suis? Attends, j'arrive. Pourquoi j'ai écrit? C'est où là? J'en sais rien du tout. J'arrive. J'avais découvert une agence de recrutement. Ah bah t'es là. J'arrive, bouge pas. Mais moi aussi faut que j'y aille en fait. Où ça? Chez le réparateur? Ouais. Ouais. Et donc il y a eu. Ce deuxième jour, donc vous commencez à parler un peu. Vas-y, fonce à droite. Non, mais je peux pas, le feu est vert. Là, il est vert. Juste au moment où je suis passé. Attention, tu vas où? T'as un gars en contresens. Oups, bonjour. J'ai un dangereux, moi. Un peu beaucoup. Ouais. Ouais, je lag là. Enfin bref. Et donc du coup, ça commençait un peu à parler de guerre civile. Alors bon, bref, on oublie tout ça. Maintenant c'est terminé. Mission, j'espère. Ils ont retrouvé, ils ont goûté. Enfin, ça c'était l'autre jour. Voilà. Hop, on va réparer notre camion. Malheureusement. Hein, voilà, c'est les défauts du jeu. C'est que il y a beaucoup de lag et du coup on rentre dans les camions pour rien du tout. Enfin bref. Est-ce que tu veux qu'on vise la Grande-Bretagne? Tu sais quoi, là je vais changer la couleur de mon camion, ça me saoule. Vas-y, y'a pas de soucis. J'ai rien à perdre, absolument rien. Tu pourras pas la changer. Si t'es en déficit. Ah merde. Oh pourtant je viens de trouver une couleur superbe. Eh ben. Prends-toi un petit solde à payer. Un quoi? Un petit solde, enfin une. On appelle ça déjà. De nos pas temps. Assez d'argent. Okay. Ah, comment on appelle ça déjà? Merde. T'empruntes de l'argent, un petit peu, hein, 50 000, voire 2 fois 10 000. Ça dépend combien tu veux que je l'emprunte. Ouais, et après tu l'embourses. Mais je te conseille de prendre plusieurs 10 000. Comme ça, c'est facile à rembourser. Plusieurs quoi? Plusieurs fois 10 000. T'es sûr que c'est facile à rembourser? J'y joue jamais au jeu.
Ben, ça sera plus facile que 100 000, tu préfères, si tu vois ce que je veux dire. Comme ça, tu peux rembourser petit à petit. Que 100 000, t'es obligé de te rembourser d'un seul coup si il faut que t'aies plus de 100 000. Enfin bref. Et donc le deuxième jour, donc ils avaient perdu leur trace, tout ça, etc. On était donc en vigie pirate. Chez nous, on était en rouge. Là-bas, ils étaient en écarlate, donc j'oublie pas le bordel. D'ailleurs, on a beaucoup de chance d'être qu'en rouge chez nous, même si on a eu quand même quelques petits soucis. Hein? On a failli avoir les activités sportives qui ont été supprimées, mais avec Ça chance, oui. Avec va? chance, on les a pas eu qui étaient supprimés. Parce qu'ils auraient pu passer Parce Vigipirate Écarlate dans toute la France. Et là, on aurait un gros souci. bon, bah c'est pas grave. Alors, c'est où la banque? Je vais faire des emprunts à la banque, mais Ouais, ça va. des emprunts, merci. La banque est où? Je voudrais juste faire une remarque. Je ne peux pas emprunter parce que j'ai déjà un solde à rembourser C'est de pas 92 000. Tu peux pas rembourser? Enfin, tu peux pas acheter J'ai plus, je veux dire? un solde à rembourser de 91 000. Bonsoir. Et dans 35 jours, je crois que c'est. Et gay 2800 par 2800 code. Bon, je sais pas. Bon, enfin, fais comme tu veux. Donc, je reviens donc sur le sujet qu'après le Je vendredi, peux pas ils ont faire repéré. d'emprunt. Moi, n'ayant plus 3G comme un con, je n'ai pas pu avoir des informations directement. Du coup, je suis obligé d'attendre la fin de la journée pour pouvoir avoir des Je me informations. déprime. Et j'avais entendu le meurtre de la policière, des voitures qui ont poussé dans le fou. Je me suis dit, oh putain, ça y est, le pays est en train Vas-y, qu'est-ce est en qu'on train de fait? partir en steak. Et franchement, là, j'avais eu, donc le jeudi soir, avant de me coucher, la flip de ma vie. En me disant, c'est pas vrai, il va y avoir une guerre civile. Et malheureusement, ça va mal tourner. Et on risque de pas vivre longtemps. Enfin bref, Voulez une grosse peur pour rien, j'ai envie de dire, puisque du coup, tout s'est bien passé. Puisque le vendredi, ils ont retrouvé les suspects et ils les ont neutralisés, plus avec leur deuxième complice, on va dire, qui est mort aussi avec les otages, malheureusement faisant 4 victimes de plus, ce qui fait 17 morts au total avec l'attentat. Enfin bref. Regarde qui fait. Oui, je vois. Enfin bref, dépêche, on va partir à Andover. Alors attendez, est-ce qu'il y a un petit truc? 1972. Hop, fret. Denver. Non, 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 non. Il n'a pas parlé, mais non. On part à Calais? Non, je déconne. Libre comme l'air, moi je m'en fous, je fais rien du tout. Ok. Tu veux qu'on aille où? Amsterdam? Ça te va? Non. Non, bon, je veux Ouais, visiter, ok. voilà. Oui, Je me enfin. déprime, comme je viens de le dire. Munich, non, on va pas là. On va aller à Amsterdam. Bon, je te suis. Allez, Hein. donc je vais aller chercher ma livraison. C'est parti. Camion réparé. T'es prêt? Dormi. Parfilé, ouais. Attends, on va essayer d'y aller pas tous à la fois. Je vais éviter de faire d'infraction de contresens. Ouais. Oh mon dieu, je vais me prendre un mur. Ça y est, je me le suis pris le mur devant. Enculé. T'as vu comment je me suis pris? Ouais, j'ai vu. Donc là à gauche, hein, comme ça. Bon, je tourne à 18 images secondes, hein, je suis sincèrement désolé, mais il doit y avoir énormément de monde. Ah oui, je confirme. Et pourtant, je suis un graphisme élevé. Vas-y, infraction de ce tricolore, t'es Bien sérieux? joué. Allez, dépêche. Wow. Enfin bref. Et tout ça pour dire donc qu'ils ont neutralisé tout ça, donc c'est, on va dire, un dénouement comme ils l'ont précisé dans l'édition spéciale pour TF1. On s'en bat les steaks et Allez, un bon, pas dessert. trop. Oh, putain, les FPS, merci les FPS, je vous adore. Merci les FPS. Non, je déconne. Sérieusement, si je dégomme un panneau, ça fait quoi? Je sais pas. Enfin bref, là on prend à Mais en droite, hein. fait, elle va me faire chier. D'accord? Oui. Non, comment je conduis? Hop. Non, t'es sérieux? Dégâts Non, 6%. c'est là. Non.
On va changer de destination, on va aller, on va. Ça te dérange si on reste en Grande-Bretagne ou pas? Oui, ça me dérange, je me prends. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Je suis à 12%, je viens de réparer le camion. C'est vrai ou pas? Oui. Parce que moi je prends ma part. Du coup je change de livraison. C'est pas bien grave. Je suis à 12%, je viens de sortir du réparateur. Ah merde, je l'ai pris. Ah merde. T'es où? Comme j'ai pris la commande du coup. Ah non, si si. Je peux... Et t'es où? Et je suis à la première entreprise qui est sur la droite. Mais merde, j'ai loupé depuis un petit peu de temps ça. Allez, on fait un demi-tour. C'est pas ça, conduire. Et voilà, 16%. Quoi? 16%, je pas assez d'argent. C'est-à-dire? Oh merde, on va être obligé d'aller en Grande-Bretagne, j'imagine. Non, non, on y reste pas. J'ai fait tomber un poteau. Je l'ai touché, il m'a rien donné comme les gars. Attends, j'arrive hein. J'arrive à l'entreprise. Putain, non, mais vas-y, infraction de vitesse là. Bon allez, fuck la police. Je joue à GTA. Oui. Ouais. Je l'ai pas. Ça me manque. Allez, je m'en fous. Voilà. Donc on prend cette livraison là, on se gourre pas, on va à Amsterdam. Non, je veux pas rester là. Eh ben on va à Amsterdam, je te dis. Je sais pas pour où je veux passer, je m'en fous. Deux. Non, t'es dans cet entrepôt. Ouais, je te vois. T'as ta remorque. Bonjour, je t'attends dans l'herbe. Ouais. I wait you. Allez, on va désactiver ça. Ah, donc. Z. Y'a plus rien, les mecs. Qu'est-ce qu'ils font? Sérieux. Pourquoi ils sont. Superbe. Allez viens. It's going to be background. J'ai été tout censé dedans. Allez, tu me suis? Where? Bon. Where I'm stuck. Excuse-moi. Tu prends à droite. Bon, accélère. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben viens, c'est bon. Mais je suis coincé, qu'est-ce qui me coince? Je suis coincé. Mais non. Je suis coincé, je suis pas. Ah bravo quoi. Lock. Bon, je propose qu'on s'en arrête là, sur ce magnifique coinçage. Bah, on n'a pas fini. Bon, bref, pour vous dire que... Va dire que c'est voilà. Bon, ça y est. Putain, c'est non, mais en fait, tôt. Il a fallu non. Que je contourne le brin d'herbe qui m'empêche... Oui, parce qu'un brin d'herbe m'empêche de... Ouais. De... Attends, bouge pas, on va tourner là. Et par où? Par là, de ton côté. Vas-y, infraction de... T'es sérieux? Par là, non, bouge pas. C'était par là? Oui, c'était par là. Oh, je t'attends. Fais gaffe aux véhicules qui sont derrière toi. Est-ce qu'il y en a? Non. Fuck la police. Je vais me faire bannir du serveur, moi je te le dis. Ah, tu vas te faire bannir de la France, c'est pas la même chose. Non, je sais pas. Bon, enfin bref. Hop. Je freeze ou pas moi? Non, pas du tout. Pour l'instant, non. Mais par contre, il y avait un freeze, putain. Je te rentrais dedans, mais bien comme il faut. Ah, t'as pris des dégâts? Non. Bon, non, s'il y avait un freeze, je te rentrais dedans. Ah, ouais, attends, au début du record, j'étais à... yes, I have it. J'étais à moins 28 000. Devinez à combien j'en suis? Moins 30. 8 000. Attention, il y a un barrage routier devant. Oui, toi, tu fais des petits... On va freiner. Oui, non. Et t'avais un lag, je... Voilà. How to get... Non, si t'avais un lag, t'as... quand je dis t'avais, ça veut dire. Ou alors quand je dis t'as eu, d'accord. Mais si... quand je dis t'avais, ça veut dire il y a un si derrière. Mais généralement tu ne l'entends pas quand je le dis. Ouais. Putain, mais le panneau, alors normalement si les panneaux se refraient toutes les 5 secondes, tu ne le verras pas, mais si tu trouves un panneau par terre qui est juste là en fait. Non, c'est bon. En fait, le panneau que tu peux voir à ta gauche. Droite, merde, ouais, c'est celui que j'ai fait tomber. Ah. Non, putain, allez, vite, roule. Je suis à un millimètre de toi.
Fais gaffe, il y a un véhicule sur ta gauche. Un de quoi, quelle gauche? Tu vas te rentrer dedans. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Pourquoi tu t'arrêtais? Je sais pas. Y'a personne derrière moi, s'il y a quelqu'un. Ça va, il est loin. Il faut du doux. What? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'attends, moi. Bon, enfin, bref. Et donc, du coup, les assassins, donc, on va dire, ont été tués. Les assassins. N'importe quoi. Les terroristes ont été tués. Ce qui était une bonne nouvelle, l'un des moments. Après, je sais pas comment ça va se passer, par exemple, ben, demain. Donc, pour vous, ça sera dimanche. Donc, demain, ce sera dimanche. Nous, on est que samedi. Voilà. Et je sais pas. S'il y a des retards de upload, ce qui arrive. Ça m'étonnerait. Enfin, bref. Ouais. Et ta vidéo qui est en train d'arriver là. Oui. Avec ta nouvelle intro, mystère, que vous aurez vu. Ouais, ouais. Ou moi pas encore. Oui, parce que oui, non. Mais non. Oh, ça va, j'ai pris large. T'as vu moi? Je dis, oh, pro de la j'ai pris large, ça va mieux. Ça va, monsieur. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? What are you doing? It's okay, give way. Swamp Stone. Mais vas-y, dégâts 17%. Mais vas-y, what? What? Qu'est-ce que tu fous? Ah, ah, I'm stuck. Ouais, dépêche. I'm stuck. Ça va bien? Je comprends plus, je le sais. Allez, dépêche. I'm stuck. Mais sérieux? Pourquoi je dois arrêter mon accord? Attention! C'est bon, t'es content. Allez, vite, vite, vite. Mais pourquoi? Je dois l'arrêter, d'accord. Bon, t'arrives ou quoi? Attends, je me fais un petit screenshot là. J'ai pris une 3 screenshot. Ah, bon, je redémarre. Mais 23%. J'ai vraiment du mal avec ce coup là. Oui. Ah non. Ah non. Oui. 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 D'ailleurs, ceux qui regardent le match à cette heure-ci. Hein. Je suis coincé. Bon, t'es prêt? Bon, ah, c'est vrai que c'est vrai. Donc les gars ont été tués, donc voilà. Enculé. Ouf. Je vais me ranger de l'autre côté, tu sais quoi. Fin de parking, enclenché, dis sérieux. Enfin bref, on est garé. Bah, il est pas dans ce jeu. Non, il faut que tu reviennes de la ville proche. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que du coup je suis allé à la manifestation de la plus proche. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le métro là-bas est très extrêmement petit et qu'il y a une rame toutes les minutes et qu'on a attendu 5 minutes pour pouvoir en choper une, tellement qu'il y avait du monde. Il y avait même la station Jean Jaurès. Tu parles d'une rame, donc mentionne le nom de rame parce que je crois que les gens ils vont pas savoir quand tu dis une. Une rame, c'est deux voitures seulement. Allez. Bon, t'es prêt? Allez. Allez. Fous quoi là? Mais j'essaye de manœuvrer mon volant. Clavier. I was stuck in on a road. What the hell? Allez, avance. Hi. Mais non. Bah, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Ah ouais, j'y arrive. Aïe. Oh merde, moi je suis coincé. Bonjour.